Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour part ça, super. Aujourd'hui, eh on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant une concession automobile qui est ouverte sur JetA9. Oui, vous avez bien entendu. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais simplement à remercier les donateurs de la journée qui ont fait des dons eh bien, dans l'espace... Commentaire oui juste en dessous il y a un bouton merci qui permet d'écrire un message et de soutenir la chaîne financièrement en faisant un don vous pouvez faire le don que vous souhaitez simplement et donc je tenais simplement à remercier chacun chacune d'entre vous car clairement ça me tient énormément à cœur et eh bien de dire merci simplement dans cette vidéo vous êtes tous incroyables il n'y a pas de petit don comme je l'ai déjà dit dans le live chaque don est très important et fait grandir la chaîne. Alors merci à vous tous. Et je vais commencer par le premier don, le premier tout court, le premier don des commentaires. Eh bien oui, c'est la première fois, c'est le premier qui a fait un don via le bouton merci en faisant un commentaire. Merci énormément. Et eh bien à Xuko, Xuko qui m'a dit c'est cool. Tu remercies tes abonnés quand tu as fait de bonnes stats. Comme tu dis, il n'y a pas de petits dons. Et eh oui. Je remercierai toujours mes abonnés car c'est grâce à vous que la chaîne évolue. Oui, chacun d'entre vous derrière ce petit écran que tu sois sur un téléphone, une PlayStation, un iPad ou une Switch, eh bien ou même un PC, une télé ou même ça se trouve chez McDo directement. Enfin bref, c'est grâce à vous que la chaîne évolue et je ne remercierai jamais assez concrètement. Alors merci Xuko pour ton petit don de 2 euros, mais qui fait grandir la chaîne, je le redis et je le redirai toujours. Chaque don est très 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 important. Tu es le premier. Alors félicitations, merci encore à toi. Ensuite, nous avons Xerox 85 qui a fait un don de 4,99€. Merci incroyablement à toi. Et tu m'as dit, j'écris jamais dans les commentaires mes super vidéos, comme toujours. Je le sais, tu n'écris jamais, mais en tout cas, je te vois régulièrement sur Twitter. Eh bien oui, merci pour ce don incroyable, mais également de ta fidélité, de ton soutien. Ça me réchauffe le cœur, franchement. Merci à toi, sincèrement. Ensuite, H-Core96, si vous ne le connaissez pas, c'est le plus gros donateur de la chaîne YouTube. Oui, le VIP, le mastodonte, le patron, comme il s'intitulait, il fut un temps. C'est grâce à lui que j'ai la PS5 actuellement. Alors oui, il y en a qui vont me dire, oui mais non, c'est aussi grâce à nous. Eh bien oui, c'est grâce à vous, grâce à vous tous, hein, concrètement, c'est grâce à tout le monde. Mais comme c'est le plus gros donateur, je me dois de le remercier encore plus personnellement. Et il m'a fait un petit don de 2 CHF, autrement dit francs suisses, je crois si je me rappelle bien. Et il m'a dit, merci pour tes vidéos, malgré... Je les regarde toujours. Eh bien, merci infiniment à toi. Merci d'être toujours présent après plusieurs années. Concrètement, merci de me suivre. Merci de me soutenir. Merci encore. Hein. La tasse qui est ici, que vous voyez justement ici, The Last of Us Partie 2, elle vient de H-Corps, de Suisse directement, qui m'a envoyé avec des chocolats, etc. Ils étaient bons quand même. Hein. Donc, merci infiniment de ton soutien, de ta fidélité, même si c'est un petit don. C'est un gros don pour moi quand même. Enfin bref, on continue les remerciements. Pour terminer, nous avons GM Dilano, officiel réalisateur, qui a fait un don de 2 euros également. Il m'a dit Génial, Toffer, continue comme ça. Tu le mérites, l'ami. Tu es vraiment au top. Eh bien, merci à toi. C'est toi qui es au top. C'est vraiment toi qui es au top, l'ami. À chaque fois, tu es là sur Twitter, on discute ensemble, etc. Sur YouTube, tu es toujours présent. Je le vois. Ne t'inquiète pas. Merci. C'est incroyable don, merci de ton soutien, merci d'être toujours là et même de me donner des informations. Car oui, des fois tu es là dans l'espace commentaire, tu me dis Hey, Toffer, je sais ça, hey, Toffer, je sais ça. Et ça sert énormément, l'ami. Ça sert énormément parce que des fois, on n'est pas forcément sur le téléphone, on n'est pas forcément sur l'ordinateur, on n'est pas forcément en train de zioter simplement, on est déjà en train de tourner une vidéo ou de tester des choses pour vous faire une vidéo. Et franchement, je ne te dis qu'une chose, c'est merci du fond du cœur. Car clairement, il bah, y a des informations que je n'aurais pas su sans toi. Alors merci à toi, merci à tous, hein, clairement, merci à tous pour vos dons. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Maintenant, passons à la vidéo avec la concession automobile. Ouais, c'est parti Bon, tout a commencé avec eh bien, Thomas Apache dans notre Discord, oui. Un membre qu'il a déjà depuis plusieurs années, je l'ai connu, il avait 13 ans, aujourd'hui il en a 16. Tu grandis vite, l'ami. Enfin bref, il nous a dit, eh bien, dans le Discord, qu'il pouvait rentrer dans la concession automobile de CMN. Euh, oui, au début, on pensait que c'était un bug et qu'il pouvait y aller, pas nous, etc. J'ai pas trop vérifié. Puis tout à coup, je vois Vidéotech sur Twitter en parler et vraiment montrer qu'il y a eh bien, des PNJ, etc. Je vous montre. Et oui, quand on arrive eh bien à la concession automobile de Simion, on peut rentrer librement, sans aucun souci, en session libre. En session libre, je ne sais pas, je n'ai pas testé, maintenant je n'y vais plus. Mais en tout cas, nous pouvons rentrer. Nous pouvons y voir eh bien des PNJ qui s'assoient, ce genre de choses. On peut aller voir au début, eh bien à l'entrée, qu'il y a des travaux. Donc, ça fait très clairement penser que cette concession va arriver sur GTN très 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 prochainement en tout cas je l'espère si c'est ouvert c'est pas pour rien nous avons également le bureau les portes etc qui sont ouverts où on peut y aller mais également des garagistes et eh bien oui alors la question est là est ce qu'on va pouvoir rentrer acheter un véhicule le tester etc normalement oui on pourra tester des véhicules les acheter je reviendrai sur une théorie à la fin de la vidéo parce que j'ai pas envie d'en parler tout de suite on va attendre un petit peu donc très clairement je pense que cette concession automobile va ouvrir quand c'est un autre débat car la première concession automobile que nous sommes au courant qu'elle va ouvrir et eh bien c'est en plein centre-ville il y a les carreaux qui ont changé qui sont mousseux ce genre de choses nous avons un agent de sécurité qui est devant et en gros c'est écrit que ça va ouvrir bientôt donc nous allons avoir deux concessions automobiles qui vont ouvrir mais du coup je me suis posé une question il n'y en a pas que deux dans Jetonite non, j'en ai trouvé d'autres concrètement. Eh bien oui, non loin de Signon, il y a une autre concession automobile qui s'intitule Vapid, autrement dit toute la marque Vapid, les Vapid Dominator, etc. Mais également la concession BD Factor et Gallivanteur, autrement dit Mercedes et les 4-4, x vous savez, Range Rover. Ou encore une autre concession, la concession Albany, comme par exemple la Albany VSTR qui est à gagner en ce moment au salon auto de LS ma question est la suivante. allons-nous avoir que deux concessions automobiles ou alors plusieurs à l'avenir avec un dlc? attention, c'est une idée, une hypothèse. un dlc concentré sur les concessions automobiles qu'on pourrait soit racheter et faire de la vente de véhicules ou alors une autre idée qui m'est venue et qui va fortement vous intéresser, pouvoir vendre nos véhicules à une concession automobile que des joueurs rachètent. autrement dit, ça serait un système de véhicules D'occasion, oui. Vous vendez votre véhicule. Tant qu'il n'est pas acheté, il n'est pas acheté. Et si quelqu'un vous l'achète, la concession gagne une partie, une commission, et vous avez vendu votre véhicule à un autre joueur et vous avez gagné un peu d'argent. Concrètement, c'est une idée qui se tient. Mettre son véhicule en vente dans une concession, à un joueur qui l'achète, et donc du coup, il va payer un certain prix, mais moins cher peut-être que le prix de base avec les customs, etc. En version d'occasion, le concessionnaire gagne une partie et vous, vous gagnez la plus grosse partie. À mon avis, 70 et 30% par exemple. Personnellement, je trouve que c'est une idée qui se tient et qui pourrait être creusée. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéressait. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bientôt les 6600 abonnés et je compte sur vous. Le partage pour faire connaître la chaîne. Et ces informations concernant la première concession automobile qui est ouverte, le like, le gros pouce bleu qui fait plaisir et puis qui soutient la chaîne. Et on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Moi je vous laisse, ciao tout le monde, portez-vous bien et bon week-end à vous.